Et salut à tous et bienvenue de la folie Césartrix. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et le dernier de la carrière pro gardien sur FIFA 17. La semaine prochaine commencera tous les mardis la carrière pro gardien sur FIFA 18. Et donc, je vous explique rapidement ce que j'ai fait. C'est très simple. J'ai décidé de passer la phase de groupe afin qu'on ait que la phase à élimination directe. Parce que l'épisode sera pas très long à mon avis. C'est le dernier, il sera pas très long. On va passer même à 5 minutes par match. Et voilà. Donc il nous reste que 4 matchs à faire, normalement 8e, quart, demi et finale si on y va jusque-là. J'aimerais revenir un peu sur le dernier épisode où j'ai rage quit complètement à la fin. Pourquoi? Parce que ça faisait 2 heures que je tournais réellement. Hein, ça faisait 2 heures que je tournais. Et j'étais vraiment dedans. Même si j'ai fait quelques erreurs. Et qu'on perd la finale sûrement à cause de moi, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'accepte d'endosser la part de responsabilité qui me revient. J'étais vraiment dedans et ça faisait 2 heures et là de perdre comme ça m'a complètement démoralisé. Donc j'ai fait une grosse pause d'une heure et demie et on se retrouve là tout de suite pour tourner ce dernier épisode. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que voilà, on va arriver à gagner ce trophée qu'on attendait tous. Globalement, qu'est-ce que je peux te dire sur la carrière pro gardien? Faire une rapide conclusion, parce que c'est pas la Coupe du Monde qui va changer mon avis. Je suis content. Je suis content, on a fait une bonne carrière. Vous avez été nombreux à la suivre et je vous en remercie. Je vais essayer d'améliorer ma qualité de jeu pour FIFA 18 parce que c'était complètement catastrophique par moment. Et vers la fin, je le sentais encore plus. Vers la fin, c'était vraiment n'importe quoi. Et c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Il y a des moments où tu n'y arrives plus, et moi, j'y arrivais plus. Mais là, on va repartir sur un nouveau truc, une nouvelle carrière, donc ça va être bien. Donc, voyons voir la composition. Martial Nyang, Fekir, Pogba, Cosiello, Rabiot, Amavi, Laporte, Umtiti, Pavard, Ezartrix. Ok, donc, les huitièmes de finale au Stadium Angouk face au Mexique, c'est parti. Allez, donc les huitièmes de finale commencent tout de suite. Et donc là, franchement, j'espère vraiment qu'on va réussir à bien jouer. Je vais me concentrer comme pour l'épisode de Ligue des Champions. Hein. Comme pour l'épisode de Ligue des Champions, je vais vraiment être concentré. Et essayer de vous proposer la meilleure chose que je puisse vous proposer sur ce dernier épisode. Et puis on verra bien. Donc on repart sur un format normal. Je vous montre pas que les buts, je vous montre toutes les occasions du match. Voilà, en espérant que ça se passe bien. Je ne veux pas vous décevoir pour ce dernier épisode. Oh la transversale de Rabiot, ça commence mal. Enfin ça commence bien, mais enfin, ça veut dire que déjà on commence à pas avoir de chance. Parce que c'est aussi un truc qui nous a caractérisé pendant. Parce que c'est pas anodin si on n'a pas gagné de trophée. On a quand même eu. Enfin, j'estime. Après, vous pouvez toujours critiquer ça. Mais j'estime qu'on n'a quand même pas eu beaucoup de chance quand même sur cette carrière. Et j'espère que ça va un peu s'améliorer sur FIFA 18. Qu'on va avoir plus de chance sur FIFA 18. Allez, la première parade. Attention les corners. Attention, parce que c'est un peu les problèmes par moment. Allez. Oh, le poteau. La parade. Très bien, elle est parvenue sur un adversaire. Allez. Pour l'instant, on est bien. Ouh, dommage Cosiello. Allez, corner à nouveau. Bon, au final, c'est la mi-temps, toujours 0-0. On a eu des occasions, ils en ont eu aussi. Plutôt équilibré pour l'instant. Je sais pas qui serait le mieux placé pour gagner pour l'instant. Je ne pourrais pas vous dire.
On verra bien au vu de cette deuxième période. Bon, déjà, si Pogba pouvait arrêter de partir tout seul, ce serait bien. Parce que bon, voilà quoi. Au bout d'un moment, tout le monde a compris que t'allais partir tout seul. Et ben, on verra bien. Oh, Pogba par contre. Pogba qui est dans la surface et qui finit 1-0. Bien joué, Paul Pogba. Bien joué. Suffisait que je critique juste avant pour qu'il marque. Chose classique, hein. Frappe en pivot, un peu compliqué à mettre, mais il la met. Il la met. Oh, et Pogba pour le doublé! Très bon altruisme de Griezmann. Et le dab, bien sûr. Et ben voilà. On était très sérieux hein, pour l'instant au cours de ce match. Et Griezmann qui n'a pas tenté d'y aller tout seul. Il aurait pu, mais non. Et du coup, Paul Pogba qui est décisif au bon moment. Voilà, il suffit de le critiquer. Et ça passe tout seul. Allez, on fait attention parce que c'est quand même pas fini. Il suffit qu'ils en mettent un maintenant. Oh là là, le poteau de Coman sur ce contre après le corner. C'est vraiment dommage. Oh la parade sur sa ligne. Allez, on ne le prend pas. Oh mais faute sur moi là. Très très bien. Les quarts de finale sont là les amis. Les quarts de finale sont là. Et voilà, on est en quart de finale de Coupe du Monde. Ça fait plaisir, donc j'ai fait un bon match. J'ai été concentré, j'étais sérieux. J'aurais pas pu faire ça en finale de Ligue des Champions, non, ce sera trop facile. Non, mais je vais la ruminer celle-là, ça me fait chier. Ça m'embête. Je voulais vraiment vous offrir ça. Je voulais vraiment vous l'offrir. Allez, on continue du coup. Et ce sera le Brésil en quart. Ce sera le Brésil. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Donc, bah, cette fois, on va mettre la nuit. Hop. Allez. C'est vrai que les matchs de Coupe du Monde, c'est pas tout le temps la nuit, mais bon, là, je vais mettre la nuit quand même face au Brésil. Donc, au Stadion Anguk, face au Brésil, pour les quarts de finale de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, pardon. C'est parti. Et donc, nous voilà dans ce stade pour jouer le quart de finale face au Brésil. Un quart de finale de Coupe du Monde face au Brésil. Qui ne rêve pas de jouer ça une fois dans sa vie? À défaut de pouvoir le jouer en vrai, on le joue sur console. Mais c'est très beau. C'est un très beau match à jouer. Et il va falloir faire très attention. Parce que cette équipe brésilienne est ultra dangereuse. Mais vraiment. Oh non! L'ouverture du score de Lucas. Je comprends pas pourquoi il l'arrête pas mon gardien là, parce que je suis dessus hein. Je fais le plongeon de. Je fais bon plongeon. Ah, je fais le bon plongeon. Je comprends pas hein. Là je vois pas du tout pourquoi il l'arrête pas. Hein. Pourquoi il l'a fait en retard comme ça hein. Je comprends pas. Au bout d'un moment, il y a du code dans le jeu qui décide que ça se fasse comme ça, mais je sais pas. Là, je savais où c'est qu'elle allait partir la balle. Hein. Non, Griezmann, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué.
Bon, c'est la mi-temps, on est mené 1-0 par le Brésil, mais rien n'est fini. Rien n'est fini. On peut encore revenir dans ce match. Ça va être très très compliqué parce qu'ils sont quand même assez costauds. Mais on y croit, on y croit. Oh là là, belle parade. Allez, on peut le mettre ce but. On peut. Oh non, 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 non. Oh là là, du début jusqu'à la fin. Du début de la carrière jusqu'à la fin. Et c'est ainsi que s'achève cette carrière pro gardien. Non mais je vous ai jamais menti, j'ai jamais recommencé un match du début de la carrière jusqu'à la fin. J'ai toujours fait la première prise. Et voilà, bah ça décide que ça se finisse comme ça se finit comme ça. C'est triste, mais bon, ça résume bien la carrière de ce qui s'est passé en fait. On n'a pas eu de chance, on n'a pas eu de. On a eu du manque de réalisme tout le temps. C'est ainsi, bah, j'y peux rien. On n'y peut rien. On espère que ça va tourner sur FIFA 18. Bon, en gros, conclusion, bah, ça change pas de ce que j'ai dit au début de la vidéo. Je suis globalement content que vous ayez été aussi nombreux à me suivre. C'est quand même fou, quoi, de se dire que sur une. Que se dire que sur une carrière pro gardien, vous ayez été aussi nombreux à suivre. Et ça me fait plaisir. Donc, on va se mettre au 31 août. Voilà. Jour du dernier jour du mercato. Et on va prendre notre retraite. Voilà. C'est ainsi que tout se termine. Mais que tout recommence aussi, quelque part. Et bon, bah, je regrette pas ce que j'ai fait. J'essaierai quand même d'être largement meilleur sur la carrière pro FIFA 18. On verra bien, on verra bien, on verra bien ce qui va se passer. Maintenant, je peux pas faire plus. Je peux pas vous dire plus que ça en fait. Juste, j'espère que vous serez toujours aussi nombreux à suivre les vidéos. Il va y avoir aussi de la. Il va y avoir aussi de la carrière, enfin pas de la carrière pro, il va y avoir aussi de l'Ultimate Team, donc voilà, du pack opening, des matchs, peut-être aussi des drafts, il y aura plein de trucs qui vont arriver. Donc au final, on finit avec une note de 94, mais au final, voilà, j'ai l'impression que j'en ai pas profité, et j'ai l'impression que, voilà, peut-être que c'était à double tranchant, c'est sûr que depuis le changement des paramètres, c'est sûr que, voilà. Certes, on a vu plus de buts, mais ça a été un peu plus compliqué quand même d'arrêter, puisque les frappes étaient toujours cadrées, mais cadrées d'une certaine façon, quoi. Donc voilà, je ne cherche pas d'excuses, hein. Je sais que j'étais bidon à certains moments, j'étais nul, pouvait m'insulter dans les commentaires, ça me passe au-dessus. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette carrière, c'est ici que cela s'arrête, mais je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le début d'une nouvelle. Il vous reste encore quelques instants, quelques jours pour voter pour le prochain club, pour le premier club de la carrière pro gardien 2018, c'est-à-dire Toulouse, Guingamp ou Angers. Pour l'instant, Toulouse est à environ 15, Angers 7-8 et Guingamp 3-4. Voilà, à peu près. Je vous donne les résultats pour le moment. Donc je pense qu'on est parti pour commencer avec Toulouse, mais bon, vous avez encore du temps. Bon après, peu importe les trois clubs, je serai content. Toulouse, ça sera bien pour commencer, je pense. Donc, portez-vous bien d'ici là. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu en commentaire si la carrière vous a plu. À partager la vidéo pour qu'il y ait de plus de gens qui rejoignent la carrière pro gardien de FIFA 18. Et c'est tout. Et voilà. Et à vous abonner aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On a dépassé les 2000. Abonnez-vous pour suivre la suite de la carrière gardien, mais cette fois sur FIFA 18. Enfin, la suite de la carrière gardien, non. Le début de la nouvelle carrière gardien sur FIFA 18 et les autres vidéos aussi, si ça vous intéresse.
le début d'Ultimate Team, tout ça. D'ici là, portez-vous bien, c'était Zartrix. Bisous tout le monde.